station fréquence, les bonjours très fréquentés à vous tous de la part de Dandy 33 depuis le pont d'Aquitaine. Et pour l'état de circulation sur le pont, ça commence à se charger tout doucement. Bonne journée à tous. Et 73 à toi la belette, où tu es? D'accord, ok, mais je m'en vais aujourd'hui là sur Mérignac. Je me rappelle très bien de notre conversation le vendredi matin, ne t'inquiète pas. Ah si, trois coups. Là ça commence à se charger bien comme il faut là sur Pont d'Aquitaine. Là ça commence à bien ralentir. Là c'est bon, normalement moi j'ai pas le parmité aujourd'hui. Là je fais un lit à Côte-Médard, je retourne à Pétac, et après je vais arriver sur le bassin, alors donc je devrais pas être trop gêné. Bah ça va, il y en a qui sont vraiment payés à se promener, hein. Mais c'est ça, c'est qu'en plus on s'entraîne, on donne de l'argent. Alors ça l'argent, il me donne un peu d'argent, moi si je fais quelques belles, c'est ce que j'ai, un service à un bon autre, c'est normal, hein. Ah oui, hein, j'ai comme l'impression que je me suis trompé de boulot, moi, quand même, hein. Ah ben, tu l'avais dit quand j'étais plus jeune, j'ai fait le même boulot que moi, tu verras, on te paye pour te promener, t'as pas voulu m'écouter. Maintenant, t'as plus trop fort, hein. Après, si t'as le permis, tu peux toujours postuler, tu es là et on a trop des contrôles, les mecs qui te donnent de l'argent pour te balader. Oh putain, ça y est, je m'étrangle avec tes conneries. Non, hélas, non. J'ai juste le permis voiture, permis moto. Vu la température de la moto, je préfère la laisser au chaud. Mais après, au-dessus, non, j'ai pas, quoi. Ouais, mais si t'as quelques milliers d'euros, en ce moment, tu peux le passer, savoir, il y a plus d'un de quelques milliers d'euros. Il y a des gens qui donnent un papier, comme quoi tu peux conduire un camion pour te fonctionner. Ah ouais, des papiers, j'en ai plein chez moi, ils sont vierges en plus. Donc, si je leur montre ça, ça devrait le faire, alors. En fait, t'as entendu JFK ce matin, non? Pas encore, ou c'est encore trop tôt pour lui, hein? Ben là, c'est peut-être un petit peu long, alors comme je ne veux pas écouter, peut-être pas comprendre, à la limite, comme j'ai l'air de nouvelles mobilettes, la vitesse est au départ à mobilisation, c'est pour ça qu'on n'entend pas. Ah, il a pris la mobilette, pas trop froid, il y a quand même moins d'eux là-bas chez moi, là, du côté de Castillon-la-Bataille. Hein. Pas trop froid, j'ai quand même gratté ce matin. Putain, il est plus motivé que moi. D'accord, donc il a changé de mobilette alors. Ouais, il a fait le trottinette avec trois roues, peut-être pour mieux tenir, parce qu'il a arrêté pas de tomber, tu sais ce que c'est. Il a fallu beaucoup d'équilibre maintenant. Hein. Bah oui, à son âge, hein, il a plutôt intérêt à garder les petits trous derrière. Hein. Ah ouais, j'aurais dû lui conseiller ça maintenant, il va se mettre des roulettes dessus. Ouais, ah, on sait jamais. On sent plus comme il arrête des fois le carrefour, ça fait quoi déstabiliser ça, hein. Ben oui, moi les petits trous là sur les côtés derrière on me les a volés, alors j'essaie de rouler avec les pieds qui frottent par terre pour pas tomber quand même. Ouais mais à la limite si t'enlèves les pneus avec les jambes, ça adhère peut-être un peu plus, non? Ça fait un peu plus bas, plus adhérent, non? Ah je comprends pourquoi maintenant j'arrive plus, que pourquoi je tombe plus maintenant de la mobilette, ça doit être pour ça alors. Ah ouais, moi j'étais comme ça sur mon vélo, alors c'est vrai, ça fait un peu de bruit, mais c'est vachement plus stable, hein. Par contre, ça fait du bruit, les voisins, ils gueulent, hein. Attends, je vois vraiment pas pourquoi. Bah, moi non plus, je comprends pas, là. C'est quoi, ils sont, les gens, ils sont pas très conscients à nos problèmes naturels, hein. Ben oui, c'est vrai, là, ils comprennent pas que certains peuvent avoir des difficultés comme ça, quoi. Ah, t'as les conneries, le bonheur, là, le cigare à pistolet, gros, les conneries. Eh, parle pour toi, là. Tout à fait, y'a pas de problème. Bon, il pourra pas contrôler parce que ce matin, à 8h30, il est au placé escargot des autorités qui démarre, là, par encadre. À 8h30? Ah, tiens, c'est l'heure à laquelle je vais être en stage. Et toi, en plus, toi, ce qui me fait chier, c'est que là, si je veux pas être coincé dans le pont d'Aquitaine, eh bien, il a fallu que je parte suffisamment tôt. Là, il est 7h. J'arrive à la sortie 5, je sors à Mérignac pour un stage qui est à 8h30, c'est hallucinant quoi.
Bah ouais, ça va faire comme aujourd'hui, tu arriveras une heure à l'avance, le bateau qui part plus tard, mais effectivement, t'es coincé, tu arriveras à la bourre. Eh ben voilà quoi. Je serais bien parti une demi-heure plus tard, mais si c'est pour rester une heure et demie après coincé dans les bouchons, c'est pas la peine quoi. Au moins comme ça, si tu ne t'es pas nettoyé ce matin, là avec les QRM c'est fait quoi. Bon, si, si, oui, j'ai procédé à une certaine vidange des oreilles quand même, pour mieux entendre les copains et tous les copines. Hein. Ah ah, c'est vrai que de temps en temps on en entend une là-dessus. Hein. Ouais, c'est fort, hein, mais c'est sûr que quand t'en as une, ça fait plaisir. Hein. Ouais, ouais, mais du côté des habitués du canal 15, il y en a une là, qui traîne de temps en temps dessus. Hein. Maintenant, tu sais, c'est des bennes. Alors maintenant, ben, tout dépend de là où ils vont, ça. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas entendu. Quoi. Ah, c'est vrai, ouais. Alors, la madame de Monsieur Courcourt, ça fait mon voir qu'on n'entend plus non plus. De temps en temps, j'arrivais à la copier quand j'étais sur Saint-André, mais autant de choses, ça fait moi que je ne les ai pas reçus. Hein. Ouais, Coco, il se la joue un petit peu feignant en ce moment. Hein. Ouais, alors c'est madame qui a mis le grand fait dessus, qui a mis maintenant, tu as un peu le mic. Hein. Ça se peut, ça aussi. Hein. Oh là, j'ai un doute. Je ne sais pas. Bon, mais bon, c'est pas moi qui arrive le grand déjà. Je pense qu'on l'a reçu par JFK s'il s'était passé quelque chose. Hein. Et puis là, pour son YL, moi je la sens pas justement l'emmerder pour le niveau de la civile. Loin de là. Hein. Bien au contraire. Hein. C'est plutôt la YL zen de ce côté-là. Quoi. Ah, tout à fait. Oh, mais moi c'est juste à l'avouer, c'est un genre qui fait la carte du cours, comme la carte du cours, on cherche une carte de tout le temps, comme ça. D'accord, ah, elle est équipée CB aussi dans la voiture, son YL. Remarque, qu'est-ce qui n'est pas équipé CB là, chez eux? Putain, je crois qu'il y a, je sais plus, cinquantaine en tout, là, il me semble. Ben, sur chacun des bâtiments, le petit cabanon, le garage, il a mis des antennes partout. Ouais, et même quand tu as aussi, il faut faire attention à ne pas t'attendre. Denis, je vais être obligé de te laisser, car c'est mon client. Je vais te souhaiter une bonne petite journée, ma foi le bon stage, et puis je vais peut-être à demain. Ah ben, je te dirai forcément à plus, puisque demain je suis en repos. Après-demain, ben, je reprends à nouveau en nuit, comme d'habitude, quoi. Donc, pour débaucher, ben, comme d'habitude, le matin à 6h, alors si t'es dans les parages le matin à 6h, eh ben, ça sera ok. Ok, je te retiens pas plus, les 2213, la bonne journée à toi et à la prochaine. Ok, mais tout ça retourné, allez, amuse-toi bonne journée, ciao. Ouais, ok, toi aussi, amuse-toi bien, ciao. Dans les ronds-points, ils vont dire qu'il n'y en est pas affolé non plus.
la journée est foutue, quoi. Faut pas s'abatiner et baiser. C'est pas le bordel, hein. C'est le conduit, il y a des vélos d'appartement, là, c'est pas possible. Des écologistes. Ah, mais je dis ça en connaissance de cause. Ah, si, parce que moi, il m'arrivait souvent de partir au renard, et il m'arrivait de trouver une renarde des fois. Hein. Allez, allez. Allez, Milo. Bonjour, monsieur Christian, presque le voleur. Le souci, là, elle est raide. Ah, ils sont coquins, lundi, attends, hein. On ne peut pas dire un mot de travers, quel dommage. C'est pourtant fait pour se défouler l'angle, la Sibylle. Il n'y a qu'à prendre l'exemple sur notre ami Petit Renard, au moins lui, il se défoule. Salut Christian. Ah bonjour Eric, ah je t'avais pas entendu mon grand. J'allume juste le poste là. Oh, je me suis réveillé un peu tard ce matin. Eh oui, j'espère que tu vas bien, profite de ça, il faut se reposer. Salut Cricri. Christian, ça va bien? Voilà, belle journée hier, hein? Oui. Grosse journée. Je crois qu'il y a Laurent aussi qui est là derrière. Lolo, les bonnes amitiés. Ah. Oh putain, je l'ai d'abattir. Oui, Lolo. Ah, il a beaucoup de QRM. Hein. Il entend rien. Il a je sais pas combien de QRM. Hein. J'ai vu quelque chose de beau, hein. J'ai vu un cerf qui va traverser la route. Il a traversé la route d'un seul bond, dis donc. Ah, il y en a un peu là-bas de cerf. Je sais pas comment ils en ont, là, des colliers de cerf sur Orpin, mais c'est, ils vont les massacrer, c'est pas possible. Il y en a beaucoup, hein.
y en a un entre Bélade et Hourtin, là. Oui, là où habite ma fille. À chaque fois, j'en vois, hein. Elle est du côté du château de Bélade? Un peu avant, elle a un terrain là, assez important. Bon, elle est bien placée, hein. Oui, juste un peu avant Bélade. Tu sais où est le restaurant? Ah oui. T'as dû faire des bons gueulotons là-bas. J'avais été manger un petit goré à la broche, moi. Qu'est-ce que c'était bon? Ah, et la chasse, elle existe toujours, la chasse à Bélade? Je crois pas, et la chasse, elle n'existe plus, je crois. Il y a toujours le restaurant, hein? Ah oui, d'accord. Il y avait une dame qui vendait du foie gras, là, juste la petite place qu'il y a de l'autre côté du château. Elle doit plus y être, elle non plus. Ah, je sais pas, je peux pas te dire précisément. Je sais pas, j'en ai jamais acheté de foie gras là-bas. Du miel, oui, du miel, ils en font du bon là-bas, hein? Il y avait un bon coin avec ça le long du petit ruisseau. M'en parle pas. J'avais été invité une fois par une équipe là. Oh putain, j'étais étonné. Tu voyais les bécasses partir de tous les côtés. Et alors, elles étaient les saloperies, elles étaient pas contre le fossé là. Elles étaient dans la fougère en plein milieu des pins, dis donc. Ah ben ouais. Ah ben là, le retour est bien commencé. Hein. C'est-à-dire en 3 jours de chasse, on en a levé 16. Quand même, à chier combien par terre? Non, pas beaucoup, Fabio. Ah, tu sais, pour une bécasse tuée, il faut que tu enlèves 10. Alors t'as qu'à voir. Ah oui, le trois quarts du temps c'est comme ça. Par contre, je parlais de bécasses dans les fougères sous les grands pins, hein. Alors là, c'est facile à tirer. Oui, à condition qu'elle ne passe pas derrière le pin. Non, mais là, on a eu un bon rendement quand même, parce que là, mon jeune collègue, là, il a un coup de fusil meurtrier. Non, très, très, très bon retour, là. C'est la première année où on trouve autant d'oiseaux en février. Les battus au renard, nous avons beaucoup d'équipes charentaises, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a comme charentais qui viennent chasser le renard? Oh, mais les charentais, ils ont de belles meutes, hein. En plus, je pense qu'ils doivent réserver 5 ou 6 chiens uniquement que pour le renard. Et chez nous, ils viennent également pour le cerf, hein. Ah ben nous on avait une équipe là du BARP qui chassait, tu sais, avec les chevaux là, la chasse à cour. Eh bien ils venaient jusqu'à ma maison là. Ah ben oui. Il y en a aussi là chez nous qui il a un équipage, mais il est de l'Allier. Le gars il est de l'Allier, il a je sais pas combien de magasins de vêtements. Et il a je ne sais pas combien d'hectares sur la Sossouze, là, il a acheté tout le truc, là, putain, c'est impensable. Et il chasse qu'à court également, alors on lui loue le terrain, mais à condition de ne pas tirer les sangliers, pas tirer les chevreuils. L'an dernier, il y avait deux cerfs sur cette grande propriété. Les cerfs, ils viennent pas chez nous, il n'y a pas de culture. Ouais, en parlant de culture, derrière chez moi, il y a des hectares de culture. Alors là, tu as de tout, hein, ça va dans la carotte, patate, ils font de tout. Et c'est surtout pour livrer Bordeaux, tu vois. Mais c'est des pieds noirs, hein. Il y a des étendues incroyables, hein. Et là, c'est souvent que j'en vois des cerfs. Ciao. Ah, il y a Christian qui nous quitte, je pense. Oui, effectivement.
effectivement. Mais les cultures sont un petit peu plus au nord, hein. Elles sont sur les communes, le Temple, Somos, le Porge, et puis en montant, il y a pas mal de cultures. Mais là, ici, nous, on a que des peines, les peines, oh là là, très peu de chiennes. Ouais, par chez nous, là, c'est charlé quand même, hein. C'est dégueulasse, hein. Je t'assure qu'à l'époque, je chassais le faisan, bien sûr, et il fallait aller se le chercher, hein. Dans la merde, là, je t'assure qu'il fallait avoir des chiens vaillants, hein. Ah, mais si tu as l'occasion de passer sur la commune, là, tu vas voir un petit peu l'ONF, la forêt domaniale. Elle est tendue, mon pauvre, elle est tendue. D'ailleurs, on s'inquiète un petit peu, parce que bon, si continue à la nettoyer comme ça, il n'y aura plus d'endroit pour que le gibier se réfugie. C'est propre, puis ils se font de ces coupes de pain, et ouais, ils arrivent tous à 60, 70 ans, les pains, donc ils régénèrent la forêt, et ça fait pas tellement notre affaire. Ah, mais c'est partout pareil, hein. Il y a surtout un manque de pognon, là, en ce moment, ça se ressent. Entre Ostens et Bélade, t'as presque plus de pain, c'est le désert. Oui, mais là, c'est pas des forêts domédiales, c'est des forêts de particuliers, c'est bien ça? Ah, tout à fait, oui, non, les forêts domaniales, oh, il n'y en a pas beaucoup par chez nous. Ah, ben, chez nous, là, ils ont pratiquement tous les territoires, et lorsqu'il y a des vieux qui s'en vont, ben, les jeunes, ils revendent leurs parcelles comme ils sont prioritaires. Alors, ils rachètent tout le haut des dunes, tout le haut de dunes leur appartient, il n'y a que le bas, certains petits propriétaires qui ont conservé leurs arbres. Ça vaut pas les forêts vierges. Oh, ça c'est plus rare. C'est un très bon gâteau d'ailleurs. Oui. Essuyez-vous les moustaches. Mais tu sais, qu'est-ce que t'as fait, Mirma, où tu me passes à piser, là? Elle dit, elle sans nuage, qu'une fille avec son fuselage. Mirma, où il a mis de la gasoline, là? Il a mis les carburateurs en route. Non. Quand tu parlais à Christian, l'aiguille le bombardait à plus vite. Je sais pas s'il m'attire, Il t'a fait un Christian, ouais, je sais. Ah si, on voit que tu as raison, il faut décalaminer un peu. Il m'attire. Plus 20, mais c'est pas énorme. Moi aussi, je t'entends plus 20, couillon. C'est pareil. Tu vois, parle. C'est la proximité. Non, plus 10, pardon. Ah oui, parce que pour faire plus 20, là, il faut mettre un peu plus de sauce quand même, hein. Effectivement. Je conçois. Là, par exemple, oh. Non, plus 10. Ça bouge pas, putain, ça passe à 110. Mais oui. Attention, là, ce matin, je ne sais pas si c'est la propagation ou quoi, mais ça passe fort ici aussi. Hein. Là, dès qu'il pousse un peu, ça va mieux. Oui, maman, là, je reviens. Là. Je sais pas, attends, parce qu'il doit me vider là, mais putain, ça me fait chier. T'as. C'est quoi son prochain? Apparemment, c'est pas les mêmes. Je trouve bizarre, mais bon, apparemment, c'est pas les mêmes. C'est des 205, j'en ai, moi. C'est du 1500, ça peut être. C'est 3 tonnes 5. Ah ouais. Voilà, où j'avance le recul, mais on va boucher la machine alors. Quelle machine? La voie.